Chez les Vikings, c'est l'heure du topo. L'équipe est détendue, mais un problème va survenir en plein spectacle. Ça va ? Et toi ? Fanny ? Alix ? Oui. Joséphine ? C'est important de faire un topo avant chaque spectacle pour dire « Ok, est-ce que tout le monde est bien arrivé ?» Qu'on puisse commencer notre spectacle et que toutes les personnes et tous les rôles soient remplis, soient complets. Vu que je suis en perlage et qu'il n'y a pas de Thorstein, je peux prendre le balancé de Francien. Ok, très bien. C'est tout pour moi. Fin du spectacle, salut final, on ressort de scène. Dès qu'on arrive en chapelle, voilà, bah c'est l'échange entre tout le monde. Moi, on me prévient tout de suite qu'il y a eu un petit souci avec le cheval de feu. Donc pour moi, c'est le souci majeur à ce moment-là. Donc je vais tout de suite aux écuries. Donc là, Camille me dit tout de suite, bah voilà, j'ai Obispo, le cheval qui a perdu une petite zone, et il a perdu un tout petit peu de poil. Non, c'est juste une perte de poil et pas une brûlure, qui n'est pas la même chose. Tu sais ce que c'est, Camille ? Non. Je pense que pas assez sanglé. Pas assez sanglé. Et puis il recule. Et l'amortisseur. Ouais. Il faut contact des acheteurs, ils font, et c'est eux qui sont en contact. Ouais. Je pense que... Ouais, c'est possible. Ça fait 7 ans qu'on fait du cheval de feu et c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est vraiment minime, je tiens à le préciser, parce que s'il y avait eu brûlure, le cheval, on l'aurait arrêté. C'est-à-dire, bah, il est cheval blessé, brûlure, donc soins, et ainsi de suite. Toi, je pense que c'est ton amortisseur qui a mal sanglé, donc reculé. Et, lui, au contact de la chaleur, même s'il n'a pas eu la flamme sur lui, de chaleur. Je sais qu'elle l'a fait pour le bien-être de l'animal, mais en voulant faire pour le bien-être de l'animal et pas trop serrer la sangle, eh ben, elle a posé une autre problématique. Donc je préfère dire, Camille, sangle plus, parce que là, on a un message d'alerte. J'ai regardé quand je suis arrivé le truc d'alu, tu vois, il était bien normal quoi. Bon, mais on maintient Obispo. Ça marche. Ça n'empêche pas d'aller vérifier le caparaçon sur lequel on étale cette pâte à feu. Un sens qui m'embête par rapport à l'étalage, je regarde là, t'as 7 à 8 cm de trop. Alors oui, on avait un très beau feu, je l'ai vu, c'était un beau feu, mais là c'est trop. Là on n'a pas eu de catastrophe, mais on a eu une grosse mise en garde. En se disant, attention. C'est-à-dire que nous, si on perd des poils, si on a les cils collés, si on a les cils jaunes, je m'en fous, tant pis pour nous. On est cascadeur, on est notion du risque qu'on prend, mais à lui, le cheval, il n'a rien demandé. Donc c'est une grosse mise en garde en disant, attention, sanglage, très important. La mise en position des sécurités derrière, très important. Pour Guillaume, bien évidemment, la priorité, c'est de veiller au bien-être et à la santé des animaux qui participent au spectacle.